Alors sors-moi un peu, qu'est-ce qui a été décidé là dans les instances, parce qu'avant que je pousse mon coup de gueule, parce que tu sais très bien que là aujourd'hui je suis remonté encore, car je sais très bien que ces hommes qui nous dirigent, qui nous commandent, qui sont là en train de prendre en main, en train de prendre des décisions, de nous gouverner, cette fameuse gouvernance, c'est-à-dire que un c'est monsieur Thirier et l'autre c'est monsieur Noël Le Graët. Alors la fédération, est-ce que tu veux pas que j'explique les choses avant? Tu peux l'expliquer avant... mais je suis remonté, je suis pas content. Oui, d'accord, mais parce que là je sens ce qui va se passer. C'est-à-dire que là il y a eu un vice de procédure, tu sais. Écoutez bien, c'est un vice de procédure, ça s'appelle, non? C'est un peu technique, mais enfin je vous explique. Vous savez que Frédéric Thirier veut absolument revoir le système de montée et descente à l'échéance 2016, donc saison 2016-2017. Oui. Il veut quoi? Il veut qu'il y ait deux descentes de Ligue 1 à Ligue 2, et donc de montée, et pareil, de Ligue 2 à National. Il a consulté son comité directeur de la Ligue, donc quelques présidents de clubs élus, mais pas tous. Voilà, mais quand on veut prendre une décision on doit prendre l'avis d'autres. Non, mais c'est incroyable. Mais toi, tu dis. Mais j'ai pas donné tous les éléments. Voilà. Demain, Assemblée Générale des clubs. Ouais. Ils vont donc tous se prononcer. Et ils sont, pour beaucoup, vent debout contre cette réforme. Ils gueulent. Ils disent ça passera pas, on se laissera pas faire. Pareil pour les présidents de Ligue 2 qui sont concernés. Et samedi, ce sera les amateurs qui, eux aussi, se prononceront. Les amateurs, notamment concernant le championnat national. Louis, maintenant qu'on sait ça, alors il y a les pour deux descentes, contre deux descentes. Attends, je pose le débat. Je sais que tu veux y aller là, que t'es avec les roues patines, mais tu vas pas te lancer. Maintenant qu'on sait tout ça, toi ce soir, comme on dit dans Louis Attaque, pousser ton cri de gueule. Je veux une pétition et la pétition, on va essayer de la mettre en place. Je pense que ces hommes-là. Tu veux une pétition pour quoi? Contre une pétition pour que ces hommes-là prennent un peu de se retirer, prennent une décision. La sagesse, c'est de se retirer, de dire voilà, stop, on arrête. Qui parce que donne les noms. Monsieur Noël Le Graët et monsieur Thirier. Monsieur Donc, tu veux une pétition appeler parce au que ces deux hommes-là, ces hommes qui sont censés nous gouverner, diriger depuis pas mal de temps, ne cessent de commettre des erreurs les unes derrière les autres. Alors, je vais pas te revenir sur ce que monsieur Blatter nous a sorti, Monsieur Le Graët nous a sorti ces derniers temps concernant la réélection de Monsieur Blatter, plus Laurent Blanc, plus l'arbitrage, plus depuis qu'il est dans les instances, depuis qu'il est à la présidence, depuis qu'il a été président de la Ligue, président de la Fédération, vice-président. Bon, ça suffit. Moi, ce que je demande qu'une seule chose, c'est que ces gens-là prennent le soin de se dire, ça y est, on est arrivé à un stade où il faut stopper, il faut arrêter, il faut laisser sa place. Parce que je sens que ces gens-là sont là pour encore se préparer à plus tard, à préparer encore un avenir. C'est-à-dire que je les sens capables de se repositionner pour se représenter, pour être de nouveau réélu. Et non, il faut arrêter, il faut stopper. Parce que quand on dit Monsieur Thirier fait dans le dos de ces fameux dirigeants qui sont dans notre football, non. Quand on veut prendre une décision, on rassemble tout le monde. On met tout le monde devant le fait accompli. On leur dit, voilà, on a des problèmes dans notre football, il faut trouver des solutions. Mais non, mais pas le fait accompli, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que tu leur reproches. Simplement que quand tu dis on fait deux montées, deux descentes, j'apprends que d'autres présidents, tous les présidents ne sont pas concernés. On ne les a pas prévenus. C'est-à-dire qu'ils font leur magouille entre ce copinage, ces amitiés, entre les uns et les autres. Et ça commence à bien faire. Dans le football, on a besoin de se régénérer. Toi, régénérer, c'est redonner un peu, chercher des solutions pour qu'on puisse aimer ce sport. Louis, ta pétition, elle est bien gentille, mais il faut aussi que tu mettes du changement. Bon, c'est ce que je veux dire. Faut que tu mettes aussi dans la colonne d'à côté de ta pétition ce qu'ils ont fait de positif. Les droits télé qui augmentent, qui sont multipliés. Les droits télé. C'est qui? C'est Frédéric Thirier. Oui, les droits télé. Excuse-moi. Le redressement de l'équipe de France, c'est Noël Le Graët. La liste est longue. Des éléments comme ça en passant. Alors, c'est-à-dire que Le Graët, pour toi, c'est celui qui a redressé le football français avec l'équipe de France. C'était pas lui qui était là quand il y avait Neisselin, quand il n'était pas là dans ces périodes-là. Il n'était pas là. Il était absent. Il était vice-président dans ces périodes-là. Il n'était pas président. Tu es censé être aux affaires. Ah, t'es vice-président, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ah je savais pas, tu me l'apprends qu'un vice-président, c'est un mec qui ne prend pas d'initiative, qui n'est pas là pour... Le choix du sélectionneur, c'est le président, c'est pas le vice-président. Et lui, il n'a pas contribué. Tiens, le contrat Nike,
Contrat record, c'est qui l'a signé? C'est Noël Le Graët. Tu es en train de me parler de ces deux éléments, tu es en train de les défendre, tu es en train de leur trouver des circonstances atténuantes. Moi, je te le dis tout simplement, et je le dis parce qu'il m'a appelé il n'y a pas très longtemps, monsieur Noël Le Graët, comme quoi je ne cessais de le critiquer. Je ne sais pas comment. Parce qu'on s'est attaqué à l'arbitrage. L'arbitrage, c'était un problème il n'y a pas longtemps. La division qu'il y a au niveau de l'arbitrage, qui c'est qui gère l'arbitrage? Qui c'est qui gère l'arbitrage? Je te pose la question. Fédération. Ah bon? Et qui c'est le président? Noël Le Graët. Ok, merci, t'es gentil. Franck, t'as quelque chose à dire, toi?